Salut tout le monde, c'est Magnifique. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Assetto Corsa pour une petite session drift avec une petite 328i. Cette voiture fait partie du pack Tando Buddies qui sera en description. Donc, c'est un pack de voitures de drift. Bon, apparemment, c'est pas le meilleur pack, même si c'est des bonnes voitures de drift. Bon, voilà, pour faire un peu de drift. Et chaque voiture, en fait, c'est juste le visuel qui change, mais sinon, au fond, c'est le même. On fera une petite session de drift en solo avec une voiture du pack CFD. Ça, c'est un pack beaucoup plus reconnu qui apparemment est beaucoup mieux. Donc là, vous l'aurez remarqué, on est en multijoueur pour faire peut-être un peu de tandem. Alors mon niveau est très très moyen, ça va être compliqué de faire des tandems. On verra si on pourra tenir, mais en tout cas ce sera un petit peu chaud. J'ai mis l'affichage pour le drift, donc en bas à gauche vous avez les pédales. Oula oula, j'ai failli toucher le mur. En bas à gauche vous avez les pédales, la petite map, et en haut on a un radar pour quand on sera en tandem. Alors juste avant, je disais que chaque voiture est la même, juste visuellement ça change. En vrai, j'ai un doute parce que juste avant, j'ai vite fait un petit peu train avec une voiture, je sais plus c'était laquelle, je crois que c'était Nissan. Et bah là, avec cette BM, c'est pas le même ressenti en vrai. Hein. Alors ma pédale d'accélérateur queen un petit peu. J'espère que vous l'entendrez pas trop. Le problème c'est qu'en drift, souvent on accélère, on décélère très 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 souvent. Et aussi je trouve que cette map de drift, c'est un petit circuit très très court, très facile à prendre. Les virages sont intéressants. Il y a des petites épingles, il y a des virages longs comme celui-là. J'aime beaucoup ce virage. Il y a des petits enchaînements droite, gauche et tout. Et surtout, la particularité c'est que tout... le circuit est en fait, tu peux rester en deuxième vitesse et tu peux faire le circuit sans problème. Et normalement, tu es censé rester en deuxième. Et ça, c'est génial parce que pour apprendre le drift aussi, c'est vraiment super. On peut se concentrer juste sur les pédales et sur l'accélérateur et la direction. Pas besoin de se soucier des vitesses. Il y a environ 2 semaines pendant lesquelles je me suis décidé de faire que du drift sur Assetto Corsa pendant tout le week-end et ça va, je pense, je me suis un peu amélioré même si mon niveau reste très 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 moyen. J'ai découvert à quel point c'est une discipline qui est vraiment géniale et du coup ouais, je me suis vraiment rendu compte à quel point le drift était une discipline où vraiment juste techniquement t'as juste la base est simple. Mais après, il faut, y a vraiment une énorme gestion, que ce soit le frein à main, l'accélérateur, le frein aussi, surtout dans les tandems, pour ralentir la voiture. C'est vraiment spécial. Ok, donc là, on va essayer de chercher un petit tandem. J'utilise aussi un mode de caméra. C'est pas le même que la dernière fois, qui s'appelait RHM, je sais plus quoi. Là, c'est celui qui... c'est le mode caméra qui est implémenté dans Content Manager. Et je le trouve vraiment ultra bien pour le drift, en fait. Je sais pas comment il est fait ce mode, mais je trouve ultra bien fait sur circuit. Il tourne pas trop la tête, mais pour le drift, il tourne vraiment assez la tête. Il me semble que le mode regarde, essaye de regarder le point de corde. Et je trouve, ouais, c'est vraiment très bien fait. Ok, oh là 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 là. Là, c'est un petit peu au brouillon au niveau des trages. Je sais pas ce qu'ils veulent faire devant. Oh voilà, je me suis TP. Oh, oh, je m'y attendais pas, punaise. Je me suis fait surprendre par le mur. Non, mais c'est une blague. Ça fait une... Waouh. Par contre, là, c'est vraiment inquiétant. Ça fait 2 fois. On rattrape un petit groupe devant. Il y a un petit groupe devant. On va essayer de faire un petit peu de tandem. Ah voilà, là je pense qu'on a trouvé un petit groupe là. Je pense que ça va être sympa. Oh bah mais non, ils se plantent tous. C'est vraiment dommage. ils ont tous respawn. Bon bah génial. Le moment où on trouve un groupe. Ok, c'est bon. Là, ça a l'air d'être plutôt bien. On a trouvé un petit groupe. Mais bon, j'ai l'impression qu'ils vont assez vite quand même. Un peu du mal à se les suivre. Attention à pas toucher le mur.
Il a un petit peu de frein pour pas trop les percuter. Ils sont plantés. C'est pas grave. On repart. Il faut vraiment la synchronisation qu'il faut entre chaque personne. C'est vraiment ouf. Il y a des personnes qui ont des styles de conduite différents. Oula, ouais, j'ai fait un peu n'importe quoi là. Il y a des gens, ils ont des styles de pilotage différents et il faut s'adapter à chacun. Aïe. Ok, on est reparti. Et mais vraiment, je maintiens ce que j'ai dit tout à l'heure. Ils roulent vraiment très très vite. Hein. Punaise, ouais. Okay, clairement, ils sont... Ouais, non, mais vraiment, je crois qu'il est trop rapide. Hein. Je sais pas si c'est moi qui ai une voiture bizarre. Mais j'ai l'impression vraiment il est beaucoup trop rapide pour moi. C'est incroyable. En fait, avec la vitesse qu'il a, on n'a pas le temps de prendre un angle et tout. Ah ouais, bah derrière. aïe, ok. Je crois que là, c'est un peu la sauce. Hein. On est maintenant dans une petite skyline, plutôt pas mal. Et cette fois, on a changé de serveur. Là, il y a beaucoup plus de gens. On va espérer que... déjà, c'est pas la même voiture. On va voir comment elle va se comporter. Normalement, elle se comporte un petit peu différemment. Et on va essayer de cette fois... trouver un vrai tandem avec des gens pas trop rapides. Ça serait pas mal. Là, je vois que ça fait un peu des accidents. Faut surtout pas se rater. Et c'est en se disant ça que peut-être on se lape. Mais qu'est-ce que je dis? On se loupe. Voilà. Pff, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je crois que la voiture avait de moins en moins d'angle. Et du coup, comme j'avais évidemment le volant... comme j'avais évidemment le volant à gauche... Bah ça a tourné à gauche en fait. Là on est deux à tourner autour de la voiture MDR. Et des fois quand je regarde les replays, bah y a un seul mec qui a pas le même angle, bah c'est moi. Oh là, dis donc ils sont un petit peu vénères sur ce serveur. Ouais non mais c'est n'importe quoi. Mais en vrai là en ce moment je sais pas pourquoi, y a beaucoup de gens qui viennent genre juste gambader dans l'herbe et voilà regardez hein. C'est pas génial. J'ai encore changé de serveur et là j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux. Bah voilà. Bon bah là c'est ma faute. Je me suis planté dans le mur. Aïe. J'ai pu réussir à prendre la même skyline donc ça c'est plutôt cool. Là il y a un petit tandem avec une. Je crois que c'est une 370Z. Oula. Par contre il est un peu rapide. À plusieurs moments il a failli passer devant moi. Et à ce moment là c'est quand même bien d'utiliser un peu les freins pour ralentir. Mais après, peut-être, j'ai l'impression que je suis un peu lent, en vrai. J'ai l'impression que je suis lent. J'ai du mal à suivre les gens et tout le monde me rattrape trop vite. Mais en tout cas, ça a l'air plutôt sympa. Hein. La personne a l'air de bien gérer. C'est plutôt cool, pour une fois. Mais ouais, en vrai, c'est mieux de faire des petits tandems à deux personnes. Oh là, petite erreur, mince. Ah ouais, j'étais trop proche du mur. Vas-y, on va passer derrière la personne. C'est quand même mieux de faire des petits tandems à deux personnes plutôt qu'à quatre. Où là, il y a beaucoup plus de chances que ça se passe mal. Mais par contre, effectivement, quand il y a des grands tandems, là, c'est très, très, très stylé. Allez, là, on va essayer de le suivre. Voilà, là, j'utilise les freins. Oh là, qu'est-ce que c'était tendu là. Pas vous mentir. Là, j'étais pas dans les trages. En vrai, c'est plutôt stylé là. Là, c'est plutôt stylé. On va essayer de tenir. Non, qu'est-ce que je fais. J'ai failli aller dans le ravin. Allez, là on arrive dans mon virage préféré. Un long... Non mais et ça fait deux fois. Non mais là c'est trop là. Là je suis déçu. Je suis déçu de moi là. Allez c'est parti. Là on est en tandem à 3. Oula, j'étais un peu lent. Oh non mais ça... C'est encore crash. Aïe. Il y a une semaine je faisais un peu aussi du drift en online. On arrivait à tenir avec des personnes des tandems pendant plusieurs tours. Là c'est pas possible. Je sais pas ce qui se passe. Là bon je dis pas que les erreurs viennent des autres. Hein, elles viennent aussi de moi. Souvent moi je me prends les murs. Hein, ça c'est pas génial. Mais là je sais pas ce qui se passe.
Non, pas le mur. Non, mais c'est une maladie chez moi. C'est une maladie. Je prends tout le temps le mur. Ah ouais, non, mais là, je sais pas ce qui se passe. J'arrive plus à tenir un tandem. Hein. C'est triste, hein. Bon, bah, comme ça, au moins, on aura des images du tandem pour 3 virages. Je pense que pour le multijoueur, on va s'arrêter là. On va tout de suite passer en solo. J'ai changé 2 fois de serveur. J'ai galéré à trouver un bon tandem. Bref, on va arrêter de tourner en rond. On va tout de suite aller en solo. Nous sommes avec une BMW 1EB du pack CFD, donc championnat de France de drift. Et ce pack, clairement, il est vraiment meilleur. Ouais, je pense qu'on peut dire qu'il est meilleur. Parce qu'en fait, chaque voiture est vraiment très, 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 très différente. Et donc, j'ai testé presque toutes les voitures du pack. Et celle que je préfère, c'est clairement celle-là. On est sur la map d'Ujosin Touge. Alors, bon, la prononciation, je suis sûre à 3 milliards de pourcents que c'est pas ça. Mais vous avez compris. Et en gros, ce combo, ce circuit, enfin, ce tracé plutôt, plus cette voiture, c'est mon combo préféré pour le drift en tout cas. Et par contre, je pense qu'il faudrait que je m'habitue parce que c'est pas du tout la même chose qu'avec le pack Tando Buddies. Première chose, on va vite baisser le turbo. Je crois que je le mets à 50 généralement. Mais comme là, vous voyez, là, on va faire un petit tour du tracé. Un petit défaut, le tracé est très très court. C'est juste, voilà, c'est un peu dommage. C'est pas des longs virages, c'est plutôt des virages de longueur intermédiaire qui ont toujours à peu près le même angle. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile quand on a le turbo à 50%. Oh là bah, magnifique demi-tour. Donc c'est parti. Ah ouais, bon, clairement là, la physique n'a plus rien à voir avec... l'autre pack, vous inquiétez pas, juste il faut que je prenne en main la physique et normalement ça ira un petit peu mieux. Ah ouais, non mais là c'est vraiment un kiff. Hein. Mais non, mais c'est le... Là on passe en 3, là normalement on a un petit virage. Ah oui, non, ok. Je pense que j'ai pas touché le mur. Et après normalement on a une petite ligne droite. Et on arrive à la ligne d'arrivée. Voilà, et là on va faire un petit demi-tour stylé. Ah bah en vrai pas mal le demi-tour, pas mal. Là il faudra ralentir, il y a un petit virage. Je sais pas s'il a... Non mais... Et après là on arrive dans la portion où il y a plein de virages qui s'enchaînent. Donc je crois que ça passe en 2. Hein. Et je me demande si la roue avant droite ou la roue avant gauche, ça dépend. Elle se soulève un petit peu. Après là on a un long virage. On passe en 3. Là on a une petite chicane. Et après attention, faut vraiment pas aller vite. Et bah voilà, j'ai touché. pour après ce petit enchaînement là. Allez, on va essayer de refaire la remontée en mode propre. On va essayer de pas toucher les murs et faire des bonnes trages, mais c'est vraiment pas facile. Allez, cette fois-ci, c'est clean. Là, vraiment, je vais arrêter de mentir. Là, vraiment, c'est la vérité. Allez, on est à deux doigts de faire la descente clean. Allez, c'est parti pour la remontée. Bon, les plots, il faut pas déconner. Hein. Si j'essaie de pas toucher les plots, il y a plus de place. Même si techniquement, je pense que c'est possible hein, de passer sans toucher les plots. De toute façon, on peut les transpercer facilement. Hein. Donc pourquoi les éviter hein, j'ai envie de dire. Je crois que c'est ce virage-là. J'arrêtais pas de me prendre le poteau. Voilà, là c'est passé nickel. Voilà, on passe pas loin de la montagne. Là, je crois qu'on va mettre la troisième. Attention, parce que là, il y a un virage. En troisième, est-ce que ça passe? Ouais, ça passe. Là, c'est la ligne droite. Là, on va mettre un peu de frein à main. C'est pas ouf, le frein à main, là. Yes. Et...
Mais voilà. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Alors, je sais pas du tout combien de temps elle va durer. Ça dépend si elle fait des moments intéressants. Ça se trouve, elle va durer moins de 10 minutes, ce qui serait un peu court quand même. Ça se trouve, elle va durer 20 minutes. Je me serais même pas rendu compte. Si vous avez des conseils pour m'améliorer en drift, n'hésitez pas. Hein. Je suis pas du tout professionnelle, loin de là. Sinon, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord de la chaîne. Il est en description. Vous pouvez discuter avec la communauté de plein de sujets différents de n'importe quel jeu, voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao !